I'm
s'asseoir. Comment tu fais pour tuer tes victimes? Quand je me couche, quand je me copie, quand je me mets dans la chambre, je vois que ça vient comment? Ça sort de la copie. L'âme la veine, il sort du corps. Il sort de dans ta main. Si tu les tues, tu as gâché la vie de qui et qui? La vie de 5 personnes. Qui est qui? Son père. Bien. Il a gardé son argent. Comment? Il m'a donné l'argent que j'ai mis dans son mari. Il a parlé de son mari. Il a donné l'argent. Il t'a mis dans un canari. Et tu as dit quoi? Il a dit ma fille avoir l'argent. Il a pu avoir l'argent. Vous avez ce problème aussi. Avec l'argent, tout est bloqué, tout est difficile. Tout est gâté. Tu as gâté qui encore? Hein? Le commerce. Où est-ce où? Venez. Vous êtes commerçant? Oui, papa. Vous vendez quoi? Elle a tout gâté. Elle a tout gâté. Tout gâté. Comment tu as gâté le commerce? Vous lâchez sa vie. Lâchez son mariage. Vous m'attendez? Libérez son mariage. Non. Libère son mariage. Libère son mariage. Libère son mariage. Tu m'attends? Elle doit se... C'est ta femme. C'est ma femme. C'est ta femme. Qui es-tu? C'est ma femme. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi, qui es-tu? C'est sa soeur. Sa soeur. Sa soeur. Quel est ton nom? Ta belle-sœur. Quel est ton nom? Lydie. 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 Tu l'as épousée? Oui. Tu l'as épousée? Oui. Comment? Oui. Comment? Oui. Et depuis quand elle est ton épouse? Depuis quand tu l'as épousée? Depuis quand? Depuis quand? Depuis la mort. Depuis la mort de sa mère. Depuis la mort de votre maman. Elle est venue ton épouse. Oui. Comment tu es entré dans sa vie? Oui. Tu es entré comment? Tu es entré comment dans sa vie? Tu es entré comment dans sa vie? Tu es entré comment dans sa vie? Comment tu es entré dans sa vie? Comment tu es entré dans sa vie? Comment tu es entré dans sa vie? C'est la femme. J'ai hérité. À sa mort. J'ai hérité. J'ai hérité. Qui a hérité? Moi, Lydie. Comment tu entres dans sa vie? C'est ce que je voulais savoir. L'esprit des eaux. Comment tu es arrivé à entrer dans sa vie et à faire d'elle ton épouse? Comment? C'est ça qu'il n'arrive pas à voir d'homme, c'est ça? Oui. On n'arrive pas à voir d'homme. Oui. Tu les chasses. Oui. Comment tu t'arranges?
à chasser ces personnes. Comment? La boue. Comment? La boue sur elle. Quoi? La boue sur elle. La boue. Mm-hmm. Et les gens la voient et ils veulent parler toujours. Je la vois pas. Les gens la voient pas. Ouais. Je la vois aller. Je ne veux pas qu'elle se batte. Elle est pour moi, elle est ma femme. Elle ne va jamais se marier. Qu'est-ce que tu as gâté encore? T'as gâché quoi dans sa vie? J'ai essayé de gâcher son travail. Et son travail? Je n'ai pas réussi. Elle travaille où? Dans une clinique. En tant que... Son patron l'aime. J'ai détourné le cas de son patron. Son patron l'aime bien parce qu'elle travaille très bien. J'ai mis la haine dans le cas de son patron. Non. T'as gâté quoi? T'as failli gâter son travail. T'as gâté son mariage. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as gâté encore? J'ai monté les enfants contre elle. Tu as monté quel enfant? Les enfants! Quel enfant? Les nièces qu'elle élève. Mmh. Je les ai rendues. Mmh. Désobéissantes. On la respecte plus. Je veux que c'est moi qu'on respecte. Pas elle. Parce qu'elle n'a rien. C'est moi. Je veux qu'on me respecte. Je veux le droit d'aînesse. T'as gâché quoi encore? J'ai tout fait pour qu'elle n'enfante pas. Elle n'a jamais enfanté? Non. Elle n'a jamais eu des enfants? Non. T'as gâté quoi encore? T'as gâché quoi encore? Tu le sais. Je le sais. Oui. Je le sais. Mmh. De quoi d'autre? On l'a dit dans les pieds. Dans les pieds. Ce qui fait qu'elle ne peut pas porter de haut dans les pieds. Elle aime haut dans les pieds. Elle ne peut pas porter haut dans les pieds. Oui. Quand elle porte un peu, c'est mal. Non, ta langue ne vient pas. La joie. J'ai mis la tristesse en elle. La gosia ziliwa wo. La gosia ziliwa wo. Ziliwa, 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 ziliwa
Maintenant même, tu la libères et maintenant tu lâches sa vie. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Comment? Quitte sa vie. Quitte sa vie. Va-t'en. Va-t'en. Tu m'attends? Tu m'attends? Lâche-la. 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 Lâche son mariage. Tu m'attends? Si. Non! Si. Non, 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 si. Non! Si. Non! Si. Non! Si. Non! Si. Non! Si. Non! Merci, non! 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 Le divorce, tu lâches sa vie, tu lâches définitivement sa vie, au nom de Jésus, 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 lâche sa joie, lâche sa joie, lâche sa vie, tu la libères, c'est un ordre, tu m'entends, lâche-la, va-t'en, va, va. Va-t'en. Je t'envoie dans la mer. Et tu lèves totalement sa vie. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ, tu la libères. Tu m'attends? Tu la libères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Libère-la. Tu m'as entendu? Va-t'en. Au nom de Jésus, je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je détruis ce mariage spirituel. L'alliance que tu as placée en sorcellerie, je ôte l'alliance au nom de Jésus. Enlève toi-même l'alliance. Lydie, enlève toi-même l'alliance. Et puis jette-moi l'alliance. Enlève l'alliance spirituelle que tu as dans son doigt. Oui, enlève. Enlève l'alliance. Oui, enlève. Jette. Jette. Oui, jette. Oui, jette. Elle ne sera plus ton épouse. Oui, oui. Elle a tenu faire sa femme, n'est-ce pas? Ça fait mal, hein? Quand tu me parles. L'amour, c'est terrible. Aimer, c'est terrible, hein? Oh, toi, tu dis que tu aimes, tu gâtes. Amen. C'est dangereux d'aimer, hein? Aimer.
ne peux même pas dormir. Quand elle a dit, elle dit non. Sommeil, tu ne prends pas. Cauchemar, tu fais là 5 fois dans la nuit. Dieu a créé l'amour d'elle. Ah, l'amour. C'est terrible. C'est ça, non? Tu as vu que toi-même, tu as nevé l'anneau. Tu as nevé l'alliance. N'est-ce pas? Ok. Ramène-moi sa fécondité. Ramène-moi sa fécondité. Ce que tu as gâché dans ce ventre, ramène. Ramène-moi ça. Ramène-moi ça. Ramène-moi ça. Tous ces enfants volés. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tout ce que tu as introduit dans ces pieds, ces aiguilles, enlève-moi ça. Libère ces pieds. Libère ces pieds. Voilà, libère ces pieds. Elle aime vos talons. Elle aime vos talons. Oh, moi, il y a un bazar. Comme chacun a son goût. Comment tu es pas, tu m'as changé. Là, c'est qui est là. Moi, je suis un homme très rapide. Bip, bip. Jean-Marichal, toi, ma chère, votre talent est moi. Bon, toi, tu as tête. Allez-vous, les écus. Voilà. Un homme en luxe. À l'estomac. Ok, tu l'avais pas déjeuné de boue. Enlève-moi tout cette boue. Enlève-moi le voile que tu as mis sur le visage. Enlève-moi. Voilà, enlève. 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 C'est une belle femme, hein? Les gens gardent des bonnes choses. Tu vas voir qu'un gars va te prendre la semaine. Oui, lève. C'est bon, hein? Quand tu es marié, au moins t'as la nuit, il y a quelqu'un qui te dit je t'aime. C'est plus que parastamol. Ça chasse migraine. Ça te délivre des migraines. Elle avait moi sa chance. Dans l'honneur, dans ta dignité, tu reçois la puissance de Dieu. Tu reprends ta position dans la famille. Je te communique le pouvoir d'argent. Que ton notable commence à briller. D'ici 3 semaines, que tu rencontres l'homme de ta vie. Il viendra avec lui pour un témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. C'est important.
Là, je l'ai cette semaine parce que au travers des choses, c'est un homme important pour le royaume de Dieu. C'est important. Il va commencer à venir à partir d'aujourd'hui, lundi, mardi jusqu'à samedi. C'est-à-dire discontinue tous les 18 heures de décembre. Comme ça, nous, on va prier et puis tu vas regagner tout ce que tu avais perdu, hein, sur le plan spirituel. Amen. Tu vas retrouver ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, allez vous asseoir. Je vais régler cette question. Allez-y.